Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est GStrike et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment faire pour craquer tous vos jeux grâce à une application qui s'appelle Lucky Patcher. Donc application voilà qui se trouve juste ici, vous voyez sur l'écran. Donc là par exemple je vais prendre l'exemple de Jetpack Joyride, voilà, donc je vous montre que c'est bien la version originale qui a été téléchargée depuis le Google Store. Donc voilà, là j'ai les achats in-app, donc je vais essayer d'en acheter un. Et vous voyez que ça me dirige vers la boutique de facturation Google Play. Donc j'ai pas envie que de payer 2,19€. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va quitter le jeu. On va le fermer et on va aller sur Lucky Patcher, voilà, qui est juste ici. Donc on va quitter tous les messages. Donc on va chercher Jetpack Joyride dans notre liste de jeux. Voilà, qui se trouve juste ici. Et on va faire menu des patchs. On va cliquer sur créer un APK modifié. Donc on va faire un APK reconstruit pour l'émulation in-app et LVL. Donc ici dans les options, vous allez cliquer donc patch pour l'émulation LVL. Vous allez le cliquer, voilà. Et vous ne touchez à rien d'autre. Et vous allez faire sur reconstruire l'application. Donc on va quitter le message. Encore une fois. Et on se retrouve juste après, une fois que le fichier sera terminé et sera prêt pour l'installation. Donc une fois que Lucky Patcher a fini de faire tout ce téléchargement, on a normalement ce menu qui s'affiche. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer donc sur aller au fichier et vous allez cliquer sur désinstaller et installer. Voilà. Donc normalement après ça, j'ai une fenêtre qui va s'ouvrir pour pouvoir désinstaller Jetpack Joyride. Donc voulez-vous vraiment effacer Jetpack Joyride et installer la version sélectionnée de l'application? On va cliquer sur oui. Voulez-vous désinstaller cette application? Vous cliquez sur OK. Voilà, donc ça c'est fait et maintenant on va attendre que Lucky Patcher installe la version qui est craquée. Et voilà, donc Lucky Patcher me montre donc si tout s'est bien passé, le message application fractionnée Jetpack Joyride installée avec succès. Donc on va sortir de Lucky Patcher. Donc là vous voyez que j'ai Jetpack Joyride qui est installé, donc c'est la version qui est craquée. Donc on va le lancer. On va mettre son âge, voilà. Donc jusqu'ici le jeu ne bug pas, il n'y a pas eu de crash ou quoi que ce soit. Il nous propose même de se connecter à Play Jeu. Bon, je vois pas trop l'intérêt pour l'instant. Donc bah, on va prendre le compte qu'il me propose, donc confirmer, voilà. Donc on se retrouve juste après donc le tutoriel qui nous est proposé gentiment par le jeu pour que je puisse vous montrer comment va fonctionner donc le crack qu'on a effectué justement sur Jetpack Joyride. Donc je vous dis juste à tout à l'heure. Donc voilà les gens, on est enfin donc sur le menu principal de Jetpack Joyride. Je vais par exemple me rendre dans le magasin tout de suite pour voir si justement donc le glitch a fonctionné. Donc je vais prendre n'importe quel pack. Bon, on va prendre le pack spécial Halloween, voilà. On va cliquer sur acheter et donc vous voyez que j'ai ce menu qui vient d'apparaître, donc on va cliquer sur oui et voilà, vous voyez que je viens de craquer Jetpack Joyride tout simplement. Achat réussi, merci pour votre soutien. Donc on vient d'acheter un pack, voilà, qui coûtait 4€ ou 5€ je crois dans le jeu, et là voilà on vient d'avoir gratuitement. Et on peut tout avoir hein. Donc ça par exemple ce pack je crois qu'il coûtait 33€ sur la version originale du jeu, donc on va l'acheter également. On va cliquer sur oui et voilà,
L'achat vient d'être effectivement effectué. Achat réussi, merci pour votre soutien. Pack Metal Slug Ultime. Voilà. On va aller voir justement dans mes véhicules qu'est-ce que je viens d'acheter. Voilà, vous voyez que le jeu n'a pas de ralentissement de gameplay, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de bug, pas de lag. Donc qu'est-ce que j'ai acheté finalement? On va plutôt se rendre sur le menu du petit écraseur. Bah voilà, je viens d'acheter le SV001. Bon, un petit véhicule, voilà, sympa. On peut en acheter plein d'autres, voilà. Donc voilà, par exemple, lui, je vais l'acheter. On va cliquer sur oui. Et voilà, je vais encore acheter un autre véhicule. Achat réussi, merci pour votre soutien. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour me soutenir. On en fera d'autres prochainement.